Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce petit top au crochet. C'est un modèle vraiment très facile avec des couleurs très peps. J'y ai ajouté des petites perles, donc une devant et une derrière. Vraiment au niveau du modèle, il vous faudra maîtriser les mailles serrées ainsi que les brides. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie dans la petite playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo où je vous montre donc comment réaliser en pas à pas chacun de ces points, même si je vais vous montrer comment les faire rapidement dans cette vidéo. Je vais vous donner toutes les explications pour réaliser la taille que vous souhaitez. Bien évidemment, vous pouvez adapter ce modèle, en faire une tunique, une robe, un crop top, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts. J'ai eu la chance de recevoir de la part de Trafilo et Pelote donc un lot de magnifiques couleurs. Elles sont super peps et dynamiques. C'est vraiment des couleurs idéales pour le printemps et l'été. Comme vous pouvez le voir, ils proposent vraiment de super belles offres sur leur site internet. Donc là, il s'agit de la laine que moi j'ai reçue, la Algodon Premium. C'est un fil vraiment de super qualité qui ne se dédouble pas. Je vous le recommande si vous êtes débutant parce que crocheter du fil de coton qui se dédouble, c'est un peu une horreur quand on débute le crochet. Là, vraiment, il se dédouble absolument pas. Il y a pas mal d'offres. Je trouve ça vraiment génial. En plus, on peut choisir les couleurs. C'est vraiment top de chez top. Je vous recommande même ce fil si vous souhaitez réaliser des amigurumi. D'ailleurs, je crois qu'à la base, c'est un fil pour réaliser des amigurumi. Donc pour ma part, j'ai reçu donc les couleurs Blanco, Amarillo, Verde Agua et la teinte Naranja. Donc c'est l'orange. Vraiment les couleurs sont splendides, elles sont ultra peps et vitaminées. Elle se crochette avec des aiguilles taille 3, 3,5. Donc moi, je vais utiliser un crochet taille 3,5 pour réaliser ce tutoriel. Et vraiment, c'est un fil que je recommande même pour réaliser des amigurumi. Donc pour réaliser ce modèle, c'est vraiment quelque chose de très facile. Je vais vous montrer de toute façon en pas à pas comment le réaliser. Mais en gros, on va venir donc réaliser deux bandes comme ceci, deux grandes écharpes. Puis on va venir faire des coutures ici et au niveau des bras, sous les bras, ça va vraiment être super facile. D'ailleurs, je vais vous montrer une technique que j'ai appris récemment qui permet vraiment de faire donner vraiment un joli rendu. Puis, une fois qu'on aura donc nos deux écharpes et qu'on aura cousu ici, devant et derrière et sur les côtés pour les bras, on viendra réaliser quelques rangs supplémentaires pour venir donc jouer au niveau de la taille. Au niveau de la laine, j'ai donc utilisé une laine taille 3, 3,5 et un crochet taille 3,5. Il m'aura fallu pour réaliser un taille S ainsi que la hauteur que je souhaitais, environ 400 grammes, donc environ 1000 mètres. C'est vraiment des pelotes qui sont bien fournies hein, en termes de mètres. 100 grammes, ça équivaut à environ 220 mètres si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on est parti avec les explications de la première partie, donc comment constituer, réaliser les parties hautes de notre maillot, de notre top, tunique, robe, peu importe ce que vous allez en faire. Donc pour une taille S, on va réaliser déjà une maille chaînette et pour une taille S, on va faire une maille chaînette entre 73 et 75 cm. Pour une taille M, entre 75 et 77 cm, une taille L 77 et 79 cm, une taille XL 79-81 cm et pour une taille XXL, une maille chaînette entre 81 et 83 cm. C'est vraiment voilà, approximatif, ça dépend aussi de votre façon de crocheter. Moi, à la fin, je voulais retomber sur 75 cm. J'ai donc fait une maille chaînette de 73 cm. J'ai monté pour mon modèle à moi 120 mailles en l'air. Et donc, à force de crocheter, je suis tombée sur 75 cm. Parce que voilà, je sais par expérience que quand je fais une maille chaînette et que derrière je viens travailler en bride, je vais forcément élargir ma maille chaînette de base. Donc une fois qu'on a la taille de notre maille chaînette qui constitue donc cette partie là, la partie la plus large de notre rectangle, Vous voyez, c'est clairement cette partie-là de la maille chaînette. On va venir donc monter autant de rangs que nécessaire. Donc en fait, les rangs, on va les monter comme ça. Tac, 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 pour obtenir donc la taille que l'on souhaite. Pour une taille S, 26 cm, une taille M, 27 cm, une taille L, 28 cm, une taille XL, 29 cm et une taille XXL, 30 cm. Au niveau de la composition de mes rangs, donc j'ai alterné entre des rangs de brides et des rangs de mailles serrées. En gros, j'ai utilisé mes couleurs. Voilà, voilà. Et à chaque fois que je suis venue utiliser ces trois couleurs-là, j'ai fait des brides. Et quand je venais utiliser mon fil orange, je faisais des mailles serrées. Au niveau donc de ce camailleux de couleurs, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si vous voulez le même modèle que moi, voilà comment j'ai procédé. En gros, je fais, donc ça je ne vais pas compter, enfin, si vous pouvez la compter, mais après ça dépendra aussi de l'aspect final que vous voulez donner. Là, c'est quelque chose de très coloré, de très peps, donc au final, c'est pas très grave si à un moment donné, il y a un décalage dans les couleurs. Vu comment c'est peps, ça se verra à peine. Donc, j'ai fait en gros un rang jaune, deux bleus, une bande intermédiaire de blanc et d'orange, et je suis repartie sur du bleu. C'est comme ça que j'ai fonctionné en fait. À chaque fois, c'est le bleu ma couleur dominante parce que c'était la couleur la plus claire qui allait ressortir le moins. Et c'était vraiment pour donner une touche un peu plus calme et soft. J'ai utilisé donc des couleurs peps et des couleurs un peu plus neutres. Enfin un peu moins, comment dire, un peu moins criarde. Un peu comme mon vernis à ongles, vous voyez, qui est en fait très criard parce que ça dénote. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'au niveau des couleurs, vous allez faire comme vous voulez. C'est vrai que moi, ces couleurs, je les trouve magnifiques, d'autant plus que c'est la marque... On va réaliser le début ensemble. Donc, on fait une maille chaînette de la dimension que l'on souhaite. Donc, moi, perso, je vise 75 cm. Donc, je vais faire une maille chaînette de 73 cm. Et maintenant, je sais que je dois faire 120 mailles en l'air pour y arriver parce que c'est ce que j'ai fait pour ma première partie. Donc là, j'ai réalisé mes 120 mailles en l'air. Pour la première, et je ferai ça à chaque fois. Donc là, juste au niveau de ma maille chaînette, je vais rester pour mon premier rang. En gros, je compte pas en fait mon rang de maille chaînette. Je vais rester sur ma couleur jaune. Donc là, c'est ma 120e maille en l'air. Et directement, je vais venir piquer comme ceci avec mon crochet, récupérer mon fil. Donc là, juste pour là où ça va être un peu embêtant parce qu'il va falloir tenir le fil. Et je vais venir donc faire directement une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Et là, j'ai ma première bride, vous voyez. Comme ça, au moins, j'aurai un beau rendu à chaque fois sur les bords. J'aurai pas trois mailles en l'air, j'aurai vraiment un joli rendu. Et maintenant, donc là, ici, dans ma 120e maille en l'air, j'ai fait ma première bride. Dans la suivante, hop, ici, du coup, je viens réaliser ma deuxième. Deux. 3, 4, 5, 6, etc. Je vais réaliser un rang complet. Donc là, je viens de réaliser 120 brides. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Pas la peine de laisser des grands morceaux, de toute façon, on va venir après travailler totalement cette partie-là. Je prends donc mon fil bleu. Vous voyez, en fait, je vais juste revenir au camailleux de couleur que j'ai fait dans ma partie avant. Et je vais venir donc exactement au même endroit rattacher mon fil. Pour ça, je glisse mon crochet dans les deux brins et on travaillera à chaque fois en prenant toujours les deux brins. Je reprends mon fil. C'est vraiment des couleurs mais magnifiques, hein. Je fais une boucle, je passe une maille en l'air. Je prends mes deux petits bouts de fil et je fais un nœud. Voilà, là j'ai rattaché mon fil. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Mes fils, je les mets vers le bas. Ceux-là, j'aimerais les cacher plus tard. Et je repars donc sur un rang complet de brides. Donc, ma première, comme pour le début, je vais venir faire une maille serrée, une maille en l'air. Et là, j'ai ma première bride. Je refais de nouveau un rang complet de brides. En fait, on ne fait aucune diminution et aucune augmentation. Là, vraiment, on vient travailler tout simplement en bride et en maille serrée. Du coup, moi, dès que j'aurai ma couleur orange. Et vous, faites comme vous voulez. Si vous voulez faire des doubles brides, faites des doubles brides, des demi-brides, des demi-brides. C'est vraiment à vous de faire en fonction de vos envies, de vos couleurs et du vêtement initial que vous voulez réaliser. Du coup, moi, j'ai réalisé des bandes de 26 cm de large. Donc, pour ça, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 rangs. Sachant que voilà, à chaque fois que j'utilise ma couleur orange, je viens travailler en maille serrée. Et vous, au final, vous pouvez faire le motif que vous voulez. Ce qui compte, voilà, c'est vraiment d'obtenir ces 26 cm pour la taille que vous souhaitez réaliser. Du coup, initialement, j'avais fait une maille chaînette de 73 cm. Et donc, voilà, ça n'a pas loupé. J'ai gagné 2 cm de plus parce que je suis venue travailler en bride et que c'est donc venu élargir ma maille chaînette initiale. Donc, on va réaliser deux bandes exactement pareilles de ce type-là, pour venir déjà constituer la partie du haut, vraiment, de notre top. Une fois qu'on a fait nos deux parties, donc voilà le résultat. Là, je suis simplement venue les plier l'une sur l'autre. J'ai mis des petits marqueurs, ici, à peu près donc 15,5 voire 16 cm. Il vaut mieux laisser un décolleté plus large et venir le retravailler derrière. Vous allez pouvoir venir fermer si vous voyez qu'après c'est beaucoup trop décolleté. Parce que si vous fermez d'un coup trop haut, après ça va être embêtant, il va falloir défaire vos coutures. Donc voilà, moi c'est vrai que je préfère fonctionner dans ce sens-là. Laisser un décolleté peut-être trop plongeant, quitte à le retravailler, plutôt qu'être embêté à devoir venir retravailler mes coutures. Donc pour venir coudre, j'ai pris un fil d'environ 110 cm, voilà, du fil orange, parce que moi je vais rester sur mon dégradé de couleur. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire juste une couture normale ou faire des mailles coulées, retourner, ça se verra pas. Là, c'est que j'avais envie de changer pour une fois et surtout de faire quelque chose d'apparent pour rester dans mon jeu de couleurs. Donc j'ai un fil, avec à chaque extrémité, j'ai mis une aiguille. Du coup, je me retrouve avec deux aiguilles. Je vais venir piquer. Donc là, à chaque fois, j'ai une maille serrée, une maille en l'air. Donc je prends les deux brins de la maille en l'air. En gros, je viens travailler directement dans ma première bride. Donc là, pareil, une maille serrée. Hop, les brins. Une maille en l'air. Voilà, hop. Je commence en faisant une bêtise. Voilà. Et je me retrouve donc dans cette configuration-là. Et en fait, je vais venir croiser à chaque fois. Donc là, après, je prends cette aiguille et je viens me positionner donc dans les deux brins suivants. Et en fait, à chaque fois, je vais faire comme ça. Je vais travailler dans les deux brins en faisant en fait un laçage. Hop. Et je vais donc continuer jusqu'à arriver à mon marqueur. Donc là, ma posture, elle n'est pas top pour coudre. Et je fais bien attention à chaque fois de les croiser. Après, honnêtement, si vous ne voulez pas vous embêter avec cette technique, faites comme vous voulez. Moi, c'est voilà, j'avais vraiment envie de voir apparaître de l'orange pour vraiment rester dans la continuité de mon motif. Donc, je refais encore quelques points avec vous. Et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais laisser mes fils en suspens, je vais juste venir faire un petit nœud et comme ça, si à la fin, j'ai envie de venir refermer le décolleté, je le ferai. Et que de toute façon, je vous conseille de ne pas venir couper vos fils parce qu'en fait, si vous vous rendez compte que le décolleté est beaucoup trop plongeant pour vous, vous allez donc reprendre ces fils pour venir retravailler le décolleté. Donc, je vous laisse réaliser exactement la même chose de l'autre côté et on se retrouve après donc pour venir travailler la partie du bas. Donc, je suis venue faire la même chose de l'autre côté et maintenant, j'ai mis des marqueurs au niveau de mes manches et moi, j'ai laissé environ 19 cm, hop, voilà, pour l'espace de mes bras. Donc, franchement, je pense que entre une taille XS et L, vous pouvez laisser environ 19 cm et au-delà, ajouter peut-être 1 ou 2 cm. Et encore, franchement, c'est à vous de voir parce que là, c'est un modèle assez large. Après, vous faites vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Et encore une fois, il vaut mieux ne pas fermer assez et revenir retravailler après à la fin plutôt que de fermer trop et de devoir découdre, défaire ce que l'on a fait. Maintenant, on va passer à la partie donc, qui se trouve ici, en bas. On va venir faire une bordure et après, ça va être vraiment très très facile parce qu'on va simplement faire à chaque fois la même chose. Donc, je prends mon fil orange et je vais venir le rattacher n'importe où. Je vais venir le rattacher par exemple ici. Je vais piquer là où j'ai fait des mailles serrées. Je vais vraiment venir piquer comme ceci. Vous voyez? Et je vais donc rattacher mon fil. Une boucle, une maille en l'air et un nœud. Exactement au même endroit, je vais venir faire une maille serrée. Donc là, j'ai ma première maille serrée et on peut venir, si on le souhaite, la marquer. Maintenant, à chaque fois que j'aurai des rangs de brides, comme ceci, je vais venir crocheter deux fois dedans. En gros, je vais faire deux mailles serrées. Donc là, par exemple, j'ai une bride blanche, je vais pas m'embêter, je vais venir directement attraper ma bride comme ceci et je vais en profiter pour dissimuler tous mes fils et je vais faire une maille serrée, deux mailles serrées et quand j'ai une seule maille serrée comme ici, je vais venir faire une maille serrée. Là, j'ai une bride. Donc, je fais deux mailles serrées directement en cachant mes fils. Une et 2. De nouveau, j'ai une bride ici, donc je viens directement dedans et je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. De nouveau une bride, 1 et 2. Là, c'est la couture, donc je vais faire comme si c'était une maille serrée. Je viens récupérer 2 brins et je fais une maille serrée. De nouveau une bride, 2 mailles serrées. 1 et 2. De nouveau une bride, 1 et 2. De nouveau une bride, 1 et 2. Et vous voyez, je vais faire ça en fait sur tout le tour, histoire de venir me refaire une jolie bordure. On se retrouve donc juste après au niveau du marqueur. Et donc à la fin, je viens fermer par une maille coulée dans ma première maille serrée et à chaque fois dans les 2 brins. Et donc vous voyez, à ce stade en fait je vais reprendre mes rangs. En fait, quand j'aurai de l'orange, je ferai des rangs de mailles serrées et après je vais réalterner en fonction de mon motif. Vous faites vraiment comme vous voulez, soit vous suivez votre motif, soit vous allez continuer comme le modèle que je vous ai présenté. Et je vais faire donc là je vais repartir sur du blanc, je vais refaire un rang en orange, après du bleu, après du jaune, de l'orange, du jaune, du bleu, de l'orange, du blanc, du jaune, enfin de l'orange pardon. Je pense que vous avez compris le principe. Vous allez donc réaliser autant de rangs que nécessaire jusqu'à obtenir la taille, la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez en faire un crop top et vous arrêter là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le même modèle en rajoutant du coup ici en stoppant et en faisant des franges. Moi, je m'étais tâtée du coup à mettre des franges, donc au final, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez en faire une robe, une tunique, vraiment, c'est à vous de voir. Et du coup, voilà pour le résultat final. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Également à me dire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!